Hey, salut tout le monde, c'est Dalia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CrossMaga. La dernière fois, euh, eh bien, on avait fait une vidéo sur le deck Combo OTK. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Elle sera euh, là-haut en fiche. Et euh, du coup, ce, ce, ce deck avait pour thème, eh bien, de One Turn Kill, donc tuer deux Dofus, deux vrais Dofus, hein, puisque du coup, on euh, joue Kerubim 1 et euh, deux Salvatros pour découvrir et eh bien trois Dofus au maximum, ce qui nous permet et eh bien d'avoir euh, deux euh, vrais Dofus à coup sûr. Euh, et du coup, euh, voilà le but du deck était donc de, de faire un One Torkill. Maintenant, on va parler d'un autre deck, un autre style de deck totalement différent, puisque du coup, euh, c'est un deck Zo. Un deck Zo, c'est quoi euh, Un deck Zo, zoo, hein, comme vous voulez, on s'en fout. Eh bien, en fait, c'est un deck où on euh, vide sa main tous les tours voilà donc c'est pour ça qu'on joue 14 t1 et euh, 16 t2 ainsi que 6 t3 et après euh, voilà, on joue des, des, des cartes 1 enfin 1 t5 et 1 t10 mdr et euh, voilà donc le deck en fait c'est un deck où on va vraiment euh, flood notre adversaire de euh, petites créatures euh, pour euh, tout simplement qu'il est obligé de, ré de réagir euh, et si bah, sa main est trop lourde, il ne pourra tout simplement pas réagir en fait. Et du coup, euh, voilà. Donc, on pourra qualifier ce type de deck très cancérigène, effectivement. Mais dans tous les jeux de cartes, il y a ce genre de type de deck. Et euh, il faut un peu arrêter ces genres de mentalités où ouais, c'est pas stratégique, voilà, tu fais te cracher ta main. c'est un style de jeu, en fait. C'est un style de jeu. Comme dans Pokémon, hein, ma chaîne... Euh traite aussi euh, Pokémon dans la stratégie vous pouvez y aller en mode hyper offense donc c'est-à-dire ce type de deck ou aller dans euh, le balance donc c'est à, à peu près le mid range ou dans le stall et donc là c'est le deck contrôle voilà et bien c'est la même chose dans euh, les jeux de cartes on peut jouer agressif et du coup on va pas se on va on va, euh, on va pouvoir le faire tout simplement et du coup euh, on joue euh, les, euh, les chlorophylles, les lycrooches. Alors les lycrooches, c'est pour euh, transformer des graines en poupées sacrifiées. Du coup, ça nous donne deux créatures et du coup, c'est encore plus gênant pour notre adversaire. On joue les 11 pour euh, bah, choper des graines aussi. Et puis, au, au final, faire des dégâts. Euh, ça peut toujours être intéressant, justement. Euh, puisque notre adversaire pourrait défendre euh, avec euh, des créatures en n'ayant pas trop de PV. Euh, parce qu'il y a beaucoup de créatures quand même avec deux PV dans le dans la méta, donc il n'y a pas de souci. On joue les murmures sauvages. C'est la carte du deck. C'est pour ça qu'on joue Sadida, puisque du coup ça va pouvoir booster tout notre board. Euh, et bien à plus 1, plus 1 s'il y a une graine en jeu et sinon plus un en attaque. Mais on préférera jouer le mur sauvage quand il y a une graine en jeu. On joue une puissance sylvestre pour achever notre adversaire quand notre board est euh, et justement. Euh, ne, 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 ne peut pas euh, accéder au Dofus sans le plus de plus 2. on en joue une ça suffit. Euh, on joue euh, bah, après DT1 le Marcassinet parce qu'il gagne des PM quand il y a une glaie, bah, on joue les glaies. Euh, le le Mougron parce qu'en deux tours il est sur le Dofus. Maxi Noximilien l'or donc c'est une infinite qui nous donne deux paires en réserve, c'est super intéressant. Euh, pour euh, l'early game, justement, si jamais il se fait tuer, eh bien, on récupère 2 PA et du coup ça nous fait euh, plus de cartes à jouer. L'anoxine pour voler des PA à notre adversaire. Bon, si vous n'avez pas l'anoxine, vous pouvez remplacer par un autre T1, hein, tout simplement, le pôle tofu par exemple. Euh, le truchon parce qu'il est chiant à euh, gérer puisqu'il bouge dans toutes les lignes. Euh, les chuchoteurs fantassins, alors pourquoi cela Parce qu'en fait ils ont 4 PV, du coup en fait ils peuvent être euh, gérés que par un blast à 4. Et en fait, il n'y a que des synchros, aiguilles avec les 5 p en réserve ou flèche explosive. Euh, donc ça va, euh, j'en oublie peut-être. Euh, tremblement de terre, ouais, mais c'est les tours 7. Ben voilà, on, on le joue parce qu'en fait, il a 4 PV. Euh, et, euh, et de toute façon, vu qu'on joue les autres chuchoteurs qui boostent en attaque, c'est pas grave qu'il a, qu a que 1 en attaque. On joue Evangeline 1 parce que bah, c'est un crapporté. porté. Et euh, du coup c'est une 2-2 donc ça va. On joue les glaives on joue les larves bleues pour piocher. On joue Adamai une étoile. Hein. Du coup c'est un deck euh, très peu cher au final. Hein. On joue Adamai une étoile parce que bah on n'a pas le temps de jouer des tours 4. On joue Joris une étoile pour donner un ciblable à nos invocations. Donc ça c'est plutôt cool. Si jamais notre adversaire s'est dit bon c'est pas grave je laisse faire un dégât à mon Dofus mais au prochain tour c'est pas grave j'ai poussière, wabbit euh, euh, flopin, Fiole de douleur, enfin bref, tout euh, qui peut euh, gérer une de nos créatures euh, eh bien, au contact de son dofus. Tu mets Joris 1 et là... Ah bah, je suis obligé de jouer Joris. Je suis obligé de gérer Joris 1 avant de gérer les autres créatures qui sont déjà sur mes Dofus. Donc là c'est très problématique pour lui. Et il ne pourra pas euh, remonter nos créatures, par exemple avec Arachnebro et etc. Larve verte pour switcher de line nos créatures. Mégaton parce que ça reste un T3 intéressant vu qu'il a 5, il est, est une 5-5. Le Marcassin or pour euh, gérer le board adverse et mettre la pression avec nos marquassins d'or, vu qu'on joue les chuchoteurs, ça peut être toujours intéressant. Et canne carcasse, si jamais on a réussi à avoir les noxines, leur l'horloger, on peut canne carcasse euh, T3. <laughs> voilà, donc c'est pas mal. Euh, on est parti avec euh, ce, euh, ce deck zo Asian ladder, on va cancériser le ladder. Ils vont kiffer leur mère. Et, euh, et voilà. Du coup, le but du jeu. Euh, en plus, c'est un deck qui, qui, au final, va faire des parties euh, très courtes. Voilà. Et ça peut faire rager votre adversaire et du coup, euh, le, le faire euh, rage-kit T3. Ça arrive, souvent. Donc, on va voir ça. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on joue contre un sacrilleur. Donc, Sacrieur par contre, c'est le pire match Pourquoi Parce que lui, il a pied. Euh, il a pied euh, du Sacrieur On va pas garder le mémoire sauvage. Il a pied. Et euh, il a 100 brûlants, ce qui gère énormément de nos créatures en fait. Peut-être que Non. Non, je préfère avoir ma pioche, je préfère avoir les larves bleues, je préfère. Ouais, bon. Euh, voilà, on joue 6 T3, on en a un dans notre main. Ok, bon, c'est pas mal. On va jouer la chlorophylle euh, pour piocher, étant donné qu'on a déjà un T1, donc on veut piocher pour l'instant. Voilà, pour l'instant, il. Ils se doutent de rien, tu vois. Ils vont une chlorophylle, ils font « Ouais, bon, ok, ça va, il a eu son T1, bon, il joue graine. » Voilà, c'est un connard. Mais mon gars Bonjour. J'espère que tu as pied du Sacrieur. J'espère pour toi que tu as pied du Sacrieur. Voilà, parce que je viens d'invoquer 5 créatures T2. Voilà. Ah mince, tu peux pas le jouer, t'as 2 PM. T'as 2 PA, pardon. Voilà. Et là. Et là, le risque qui tombe. Je regarde, hein. Je te regarde. Vas-y, montre-moi. <laughs> oh mon dieu. <laughs> voilà, donc s'il a pas de T3 là, s'il a pas son pied. Un peu dans la merde, quand même, hein. Donc, c'est ça, la force du sadidazu. Voilà. Là, il ne manque plus que piocher murmure sauvage. Et, bon, là, je pense qu'il peut concede, hein. <laughs> Tout simplement. Ok, ça va. Pour lui, il a le pied du sacrilleur. Malheureusement, il y a quand même une créature qui va déjà au dofus. J'aimerais beaucoup avoir une glaie, du coup. Une petite glaie. Ok, Stadamai, c'est pas super. Euh... C'est pas super en fait parce que je peux rien jouer. Euh, on va tout simplement mettre un fléau là. Ça c'est vraiment triste, ça, par contre. Alors, hein. bon, s'il a le deuxième pied du sacré or, ou sans brûlant, par contre là c'est la PLS. Hein. Je vous avoue qu'on pourra euh, coincide hein, tout simplement. Non, il a flopin. Il va gérer soit ça, soit ça. Ok. Bon, ça c'est peut-être un faux de fusil du coup. Ça on va le remonter. Hein. On s'en fout nous. Non, non, on ne va pas le remonter. On va tout simplement l'arbre verte. Vu qu'il l'a joué là, il défend, tu vois. Alors, il a il a tué cette créature-là. Donc ça c'est un vrai, vous voyez Là, il est obligé de faire des choix en fait. Il est obligé de nous montrer ses Dofus, en fait. Et ça, c'est pas mal. Mais du coup, euh, on va lui euh, voler son fléau. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus important, en fait. Voilà, donc là, en fait, il peut jouer qu'une carte. Hein. Ça, c'est beau, ça. Sauf s'il a pied du sacrilleur, bien sûr, ou sans brûlant. Mais pour l'instant, il est bloqué. Voilà, il pioche. Ok, donc on va tuer son flopin, du coup. Et on va ramasser tout simplement les, les fléaux. On va commencer à ramasser les fléaux et on va commencer à balancer les fléaux, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc, on part là-dessus. On a déjà 5 fléaux, donc euh, tranquille. On pète celui-là sur l'info. Ah non, c'est un vrai. Bon, bah, c'est bon. Je sais que ces deux-là sont les vrais. Donc, on y va. Voilà. On y va. J'ai 3 fléaux. Prochain tour, j'ai gagné. Voilà. On a été 7, j'ai gagné. Pas de problème. Et. Euh, voilà, On a pas fait, le, le match n'a pas duré longtemps. Il a joué trois cartes, je crois. Ah, mais fais-moi piocher! Bah oui! Bah oui, mon gars! Fais ça! Là! Voilà! Il a fait l'erreur hein, de me montrer où sont ces vrais, mais en même temps, il n'a pas le choix, vu qu'il est flou euh, de créatures. Il a pas le choix. Donc, s'il m'abate, GG, tu vois. Mais euh, il mais y a peu de chance, hein. Et il y a peu de chance. Parce qu'il était obligé de, réa de, de réagir. Donc là, ce qui le sauve, c'est Maskman. C'est vrai qu'à 7 PA, j'ai fait une petite erreur. Effectivement, j'aurais pas dû ramasser ce fléau. Si jamais il joue Maskman, effectivement. Du coup. Il me vire mes fléaux. Ma Alors après, j'aurais pu reset. Hein. Donc là, il me prend mon dofus. Ok. Incroyable. De toute façon, avec ce deck, ça ne sert à rien d'essayer de défendre vos dofus. Hein. Vous êtes là vraiment pour agro. Et euh, si vous n'avez pas gagné euh, au bout euh, du T10, euh, généralement, vous pouvez abandonner la partie. Hein. Simplement. Voilà, on a gagné. On va pouvoir en faire d'autres, hein, tout simplement, parce que ce genre de deck va super vite. Et c'est aussi l'avantage, parce que dans Crosspaya, les parties durent super longtemps. Mais si vous jouez ce genre de deck, eh bien, au final. Euh, bah, euh, soit vous gagnez vite, soit vous perdez vite. Et voilà. voilà. Au final c'est c'est ce qui est le mieux en termes de de, euh, de temps et voilà, de temps et de et de rang au final. Voilà. Donc on va jouer contre un Sram. Euh, Sram, Sram, ça peut être bien contre nous parce qu'en fait, euh, bah au début, il a pas de place. Voilà, ses premiers cinq, il ne peut pas, il ne peut pas les utiliser tant qu'il a pas de créatures qui sont, et euh, eh bien tout simplement mortes. Ici, cette main est superbe. Du coup, on va la garder tout simplement. On joue premier, hein, bien sûr, MDR. On ne crée plus que ça qu'on joue deuxième. Donc là, le premier tour, ça va être simple, hein, ça va être Mougon euh, sur la pioche. Et prochain tour, il va avoir son PA de réserve. Il va sûrement pas jouer autour de, de, de Noxine. Et euh, du coup, on va pouvoir un Noxine Glay. Un Noxine Chuchoteur, même. Pas glay. Donc là, il connaît le, là, il connaît le deck, là il sait que, il sait ce qu'il a en face. Là, il fait oh fuck, pourquoi j'ai gardé mes T4 dans ma main je, 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 je pensais que j'étais contre Sadida Control, bah non, non, pas du tout. Parce qu'en ce moment, effectivement, sur le ladder, on croise des Sadida, mais vraiment accès contrôle. Alors que là, bon, mes seules cartes de contrôle, c'est ronce quoi. Hein. Bon bon, ça va. On a vu plus contrôle quoi. Il joue autour de... Il joue autour. Mais il me fait piocher. Donc ça, c'est pas forcément bon pour lui. C'est pas forcément euh, super worse pour lui. Euh, du coup, moi ça me va. On va tout simplement poser euh, le, euh, le petit euh, le, penine, le petit Nox. On va PA Ronce, Voilà. Simplement. Ce qui nous donne une graine, en plus. C'est plutôt cool, puisqu'on a murmure sauvage. Ok. Par contre là, par exemple, là, effectivement, il peut commencer à premier sens s'il si les a. Auquel cas, ça serait chiant. On a qu'un carcasse. Hein. Vas-y, premier sens lui, ce serait formidable. Non, pas du tout. Il me refait piocher. Alors, on ne sait pas exactement quel deck encore il joue, tu vois. Pour l'instant, on pourrait se dire soit il est mid, soit il, il est contrôle. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Voilà. Du coup, nous, ça nous va. On va. Il a combien de cartes Ok, bon, on va, on va full piocher. Hein. J'aimerais. J'ai encore envie de piocher, vous voyez, mais je vais quand même euh, me restreindre. Mettre une, une, une graine là. Et voilà, on y va. On est parti. Il overdraw affaiblissement. Donc pour l'instant on n'a pas trop l'information. Ok premier sang là dessus je suppose. Ah non sur la l'anoxine. Ok peut-être un peu trop overreact à mon goût je pense. Du coup euh, et là euh, bah on pourrait euh, on peut glaer. Bah, le problème c'est qu'on peut pas glaer euh, et murmure sauvage. Ça c'est un poil dommage. C'est un poil dommage. Par... Non, par contre, on peut glaire, tout simplement et euh, le euh, mettre euh, le euh, chuchoteur là que j'ai. Donc ça c'est bon. Ça passe. Voilà. Ok. J'avais pas vu que j'avais le... Je pensais que j'avais deux fois le chuchoteur fantasin. C'est pour ça qu'il faut... faut bien regarder. Écoute hein. deux PA, en plus ils ont un attaque tous les deux. Donc il faut... faut bien faire attention. L'élu de, la... de la carte en plus se ressemble. Hein. Genre euh, grave en fait. Il y a juste soit il est dans une... Euh... Une, un canyon ou soit il est dans la, là où il y a une, une espèce de montagne donc ouais ok est que es obligé d'adamayer ça ok ça euh, me va plutôt correctement euh, du coup ça malheureusement on peut pas le on n'a pas adamail on peut pas le remonter tout de suite euh, on va bientôt avoir une murmure sauvage assez forte Genre très très forte même. Donc ça c'est plutôt cool. On va tout simplement rejouer ça. Lui également. Et on va le faire overdraw. Wabit. Ouais je pense qu'il est vraiment plus min-range du coup. Prochain tour on a le Ken Carcasse. Et l'Overdraw, une larve verte. Ouais, donc il est vraiment mid range. Ça, c'est bien pour nous. Oh, le prochain tour murant sauvage, il va le kiffer. On a Adamaï. On a pioché un tour trop tard. Hein. On aurait pu Adamaï son Adamaï. on l'a pioché à, avec la larve en fait Donc. ok ça met ça fait quoi ça oh là là c'est tellement triste de devoir assoiffer une de deux c'est très très triste Alors, faut réfléchir. Voilà. Là, j'ai tu en fait. on a une 4-5 là, c'est n'importe quoi. On gagne 2 PA, on va pouvoir euh, carcasse murmure sauvage directement. Ok Flopin qui va gérer ça je suppose. Non qui gère ça. Ok donc ça c'est peut-être un faux du coup. À moins qu'il ait encore quelque chose pour euh, gérer ça. Genre... Et Lilote Je pense qu'il aurait dû Lilote avant du coup clairement ouais je pense qu'on fait le play tous les jours là on s'en fout il peut pas gérer ça de toute façon voilà ça c'est un petit board voyez une qui et 6-4 s'il te plaît <laughs> on a info Un rachné majeur là. Ah non là-dessus. D'accord. Bon ça c'est un vrai du coup. Et ça c'est peut-être un vrai aussi du coup, mais il a peut-être pas pu le gérer. Non quoi que... Non il aurait mis l'îlotte devant. Alors là le truc c'est que, que je peux plus larve verte mes créatures, elles sont trop boostées. Hein. Un peu dommage. Ok. Rien fait d'autre, du coup. J'aimerais avoir une glaie Une petite glaie serait pas mal Joris, c'est pas dégueu non plus C'est pas nul On va dire Parce que je peux Joris et du coup il euh, y a beaucoup de créatures qui deviennent inciblables et du coup Qui ne pourront pas être gérées Donc ça c'est pas dégueulasse Bon du coup, euh, ici ça doit être un vrai hein, Pour l'instant euh, et euh, ici aussi, je pense. Voilà, tout simplement. Euh, Peut-être qu'on a les deux faux. Si on a les deux faux, c'est un peu dommage. C'est euh, très, 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 très dommage. Mais euh, voilà. Alors, je pourrais limite larve, bleue, larve verte ça. Pour euh, simplement qu'il qu soit obligé de remettre une ressource. Euh, et j'aimerais beaucoup qu'il aille là, en fait. Voilà, s'il allait là, ça m'irait super bien, en fait. Dommage. Ok. Ah d'accord, donc on a les deux faux en fait. Ok c'est génial. Malheureusement ça arrive. Hein. Ce genre de choses arrive. Ok. Allez, malheureusement, il a l'initiative, du coup, il va gérer toute la ligne. Si j'avais tué Flopin, ça ne serait pas arrivé. Mais il aurait quand même Triste Pain. Et au final, bah, euh, il m'aurait euh, buté les, la, la fan. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'il a quelque chose pour gérer le 5-6 le le ici Je ne sais pas. Il me faudra vraiment. Euh, bah, mes. Euh, des PM en fait. J'ai eu une glaie, je crois, dans le deck. Ah, oh, mais elle est repartie parce qu'elle a, a buté le dofus. Ok. Ça, la glaie là, bon, il est sur info. Ah non, d'accord, ici. Ok, ok. Ok, ok, ok. Marque à or. Ah. Dommage que n'ait pas de glaie au final. Là. Marque à or, ça peut être intéressant en vrai. C'est un peu dommage parce que je perds vraiment le value ici j'ai mise déjà. Et euh, voilà. Bah, alors, parce que si je marque hors pas, en fait, je perds ce dofus là. Donc je sais pas. Effectivement, je ne sais pas trop. Il va falloir aussi récupérer un plan de jeu pour buter un autre dofus parce que au final, si j'arrive jusqu'ici là, c'est bon. Hein. Mais, euh, mais voilà, je pense que je vais juste essayer d'empêcher. De, euh, mettre des ombres ou je ne sais quoi. Tout simplement monter sa clé, je m'en fous, qu'ils me prennent deux dofus en fait. Et je vais retarder euh, le, le, le kill de Joris. Et je vais double Féo. Voilà. On garde le pour l'instant. Pour l'instant il est pas géré le, le can Carcasse donc j'ai pas besoin de, de me d'overreact. Euh, comment il pourrait gérer le can Carcasse là actuellement? Euh... Je sais pas trop. Mettre le... un cavalier boss Ouais un cavalier Nimbos je pense. Ouais il a peut-être cavalier boss ouais. C'est sa solution, ouais. Parce que s'il met n'importe quoi d'autre, au final, je peux le marquer à or. Et, euh, et je peux piocher encore quelque chose, là. Voilà. Bon, il, il a 2 dofus, mais je m'en fous. Hmm, Qu'est-ce qui me fait gagner là euh, Puissance Ibest ne me fait pas gagner. Euh... Si j'avais mis Savoir Sadida. Ah, peut-être mettre Savoir Sadida. Peut-être Savoir Sadida, ça peut être intéressant dans le deck, ouais. J'y penserai, je pense peut-être le mettre. Ça peut être intéressant ce genre de situation là. Et du coup, c'est un Marca Ciné. Bon, du coup, ça va être marque à Or. Hein. Il va falloir faire le reset aussi. Ouais. On Faire le reset, on fait le reset avec le truchon. Voilà, et on va mettre les 1/4 devant. Et, euh, et je balance mon, mon fléau. De euh, toute façon, ça n'a pas trop d'importance. On va le mettre là. Ok, ok, ok. Au final, la partie s'éternise là. Incroyable, on est tour 10. Bon, j'ai tué trois Dofus quand même. Hein. Malheureusement, j'ai eu les deux faux. C'est unlucky, hein, comme on pourrait dire. Ok. Ah mince, ça me deny mon fléau. J'avais pas pensé à ça. Ah, mais non Il reste ça J'ai pas vu Merde ah, vous allez me prendre tous pour un jambon. J'avais pas vu. Franchement, j'avais pas vu le PA. J'avais pas vu le PA. Je pensais que le reset se faisait là, en fait. Merde. Mais jamais il frères, ferait le reset, du coup. Du coup, il faut que je trouve quelque chose pour passer là, en fait. J'ai eu qu'une seule larve bleue. Hein. Deux. Ok. Il perd quoi Flopin, Lilote Non, oh, j'ai plus le temps de Si, c'est ça, Flopin, qui ok, très bien. Il peut jouer Flopin ou Il joue Flopin, je pose euh, sur un truc là. Sur ça Ok, si tu veux. Ok, ok. Bon là ça il a pas gagné non plus, lui, hein, donc euh, ça me va. Pas gagné non plus, hein. c'est le problème. Et euh, bon, ça, malheureusement, je pourrais pas l'arrêter. Hein. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer. A tout moment, il sous-défend ici. Et je piège puissance Sylvestre. Et boum. A tout moment. J'ai mis lui ici pour aller euh, faire Reset. Évidemment. Ok, ça met l'îlotte Et ça, ok, donc ça ne sous-défend pas. Puisque du coup, il l'a fait charger tout de suite mais malheureusement, s'il arrive à la mettre au bout, eh bien, j'aurais déjà perdu. Pour le coup. Bah, on sera me dit. Ah bon. Ok Non. Donc, il m'empêche de faire le reset. Ah! Mais pour l'instant, ma truche elle trade. Ça, ça me va. Second souffle. Je récupère premier sang, premier sang là. Et il s'arrête ici, du coup. Parce qu'il va premier sang ça. Ah, oh, c'est embêtant, je pense qu'on a perdu, hein, du coup. Merci, Lilotte. Euh, ce que je veux... Bah, il va certainement pouvoir gérer mon Marques Malheureusement. Et il reste ce Dofus, et de toute façon, ça, je ne peux pas le gérer. Voilà, ouais. Du coup, c'est bon, on peut abandonner, malheureusement. C'est dommage, on aura eu deux faux Dofus sur cette deuxième partie, hein, c'est assez primitif et puis bah, là j'ai pas eu assez de fléaux je pensais vraiment que j'allais pouvoir le reset, alors malgré le reset en fait je pouvais même pas euh, au final gagner ouais, il fallait vraiment euh, avoir euh, les glais et les trucs plus rapidement euh, j'ai eu une seule glais c'est pas passé malheureusement en tout cas cette vidéo est terminée hein. bon, euh, vous pouvez tester ce deck, hein. de toute façon euh, vous allez euh, avoir un ratio plus ou moins équilibré hein, je pense que c'est à peu près du 50-50 hein, avec ce genre de deck. Euh, voilà. Peut-être rajouter une petite euh, sa un savoir Saïda. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, rajouter le petit savoir Saïda. Euh, justement pour euh, la situation là où euh, je me suis retrouvé. Peut-être enlever une larve verte. C'est pas super intéressant d'en avoir autant. Euh, parce que de toute façon, nos créatures, on les boost au bout d'un moment. Donc, voilà. Euh, ouais. Le savoir Sadida, ici, m'aurait fait gagner la game, donc je vais le rajouter, et, euh, et voilà. Du coup, euh, c'est là-dessus qu'on euh, se quitte sur cette vidéo euh, de présentation du deck euh, Zo-Sadida. Alors, ça marche un peu dans tous les decks, hein, euh, Zo, mais franchement, ça y a je pense c'est peut-être le plus fort. Ou alors Sadida-Sram aussi, euh, et Yop hein, aussi, hein, bien évidemment. Je pense que c'est deux classes pas mal. Il y, y a, a Sacrier aussi qui pourrait être intéressant, Zo avec euh, le, le bah, euh, Refus de Mort, et, euh, et les morts proches, mais les morts proches c'est quand même 3 PA donc euh, voilà, faut, voilà, faut, voilà, faut tester. Moi, je, ce que j'aime bien dans, dans, dans le deck Saïda, c'est le mur murmure sauvage, ça, 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 ça fait vraiment le café. Du coup, euh, on, voilà, on va se laisser là, c'est bon, c'est fini. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas euh, déjà fait, lâchez le petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Cross Des bisous tout le monde, bye bye.